Vous recherchez une tablette de dessin pour enfants LCD, mais vous ne savez pas laquelle choisir? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif, donc des meilleures tablettes LCD de dessin pour enfants, aussi appelées tablettes magiques. Ça va être des tablettes assez petites qui vont permettre de dessiner dessus avec un stylet. Et lorsque l'utilisation est terminée, vous aurez juste appuyé sur un bouton pour éteindre totalement l'écran. Et du coup, c'est réutilisable des centaines, des milliers de fois, ce qui permettra bien sûr d'économiser énormément de papier, ainsi que l'achat de stylos à encre, de feutre, de crayon, etc. On va donc voir ça tout de suite aujourd'hui. Je vais vous présenter trois modèles parmi les mieux notés sur le marché par ordre de prix décroissant. On commence tout de suite et si un modèle vous intéresse, je vous mettrai tous les liens vers chacun juste en dessous dans la description, donc sous cette vidéo. Le premier que je vous présente, c'est le GooYouCom tablette dessin enfant de 8,5 pouces, donc écriture LCD. On aura des très bonnes évaluations avec 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 5300, donc c'est assez impressionnant à ce niveau. C'est une tablette donc d'écriture pour enfants avec des lignes de coloration et une luminosité qui sont beaucoup plus lumineuses que des tablettes d'écriture classiques, car c'est vrai que c'est quand même en général plutôt sombre. Vous pourrez écrire jusqu'à 100 000 fois dessus. Donc on oublie les déchets de papier, on a une batterie qui est intégrée du tableau LCD électronique et qui peut être échangée de manière qui peut être plutôt recyclée, voilà, c'est avec une pile, vous savez, en forme un petit peu de pièce, les toutes petites piles là. Donc ça peut être aussi idéal pour les longs trajets en voiture, pour pouvoir faire plein de petits dessins, etc. Pour occuper votre enfant. Ça peut être une bonne idée aussi de cadeau si vous avez des enfants qui aiment dessiner en tout cas. Donc ce modèle fait parmi des mieux notés dans cette sélection. C'est le plus cher des trois, mais bon, c'est vraiment pas du tout un objet qui va être coûteux. Celui-ci, il est à, je sais plus, c'est même pas 15 euros, il me semble. Donc voilà, ça va vraiment pas vous ruiner à ce niveau. Pour voir plus d'informations sur ce modèle-ci, ce sera donc le premier lien dans la description, donc sous cette vidéo. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Homestake tablette d'écriture LCD colorée, qui sera relativement similaire. On aura également donc 8,5 pouces au niveau de la taille. Vous aurez aussi plusieurs déclinaisons, à la fois en termes de couleurs. Donc vous pourrez prendre, là c'est les modèles roses que vous avez à l'écran, mais il y a un modèle noir, un modèle bleu. Donc vous pourrez choisir ce que vous préférez ou ce que votre enfant préférera plutôt. On aura donc une tablette qui est fournie avec un affichage coloré, une écriture très claire, un commutateur de verrouillage qui peut conserver ce que vous avez écrit, un bouton pour effacer tout l'écran, un stylet qui sera bien sûr adapté pour écrire dessus, ainsi qu'un petit trou pour tenir la tablette et une corde élastique que vous pourrez également utiliser pour sécuriser le stylo avec la tablette. Ça peut être donc un cadeau pour enfants, ça vous permettra aussi, encore une fois, d'économiser des ressources et aussi économiser de l'argent, à pas devoir toujours racheter des feuilles, racheter des stylos et aussi potentiellement ça peut éviter que votre enfant se serve de crayon pour aller dessiner partout. Là au moins, il n'y aura pas ce risque-là, on va dire. Du coup, ça va fonctionner sur batterie également. Donc vous aurez juste à la changer de temps en temps, mais ce n'est pas un type d'objet électronique qui va consommer énormément, donc ce ne sera pas tous les 4 matins. On a des évaluations un peu moins bonnes cette fois, avec 4,3 étoiles, mais ça peut quand même valoir le coup. Et on va terminer avec la dernière qui sera la Riche GV tablette d'écriture LCD pour enfants et adultes qui aura la même taille que pour les autres. On aura 4,3 étoiles. Normalement, il y a plusieurs déclinaisons. On a 10 pouces et 12 pouces qui sont disponibles. Actuellement, elles sont en rupture de stock. Vous pourrez après regarder ça. À quoi que non, je viens de voir que la 10 pouces y est encore. Donc voilà, vous pourrez choisir ces déclinaisons. Si vous trouvez que 8,5 pouces, c'est trop petit, vous pourrez prendre 10 et peut-être même 12 si c'est en stock. En tout cas, vous aurez bien sûr plusieurs couleurs, encore une fois, allant du vert par le rose, par le bleu, pour aller jusqu'au noir, etc. On aura donc un tableau d'écriture LCD, encore une fois, qui peut être effacé. Donc ça peut être utilisé jusqu'à 300 000 fois, donc quasiment à l'infini, jusqu'à ce qu'en gros le mécanisme ne marche plus tout simplement.
C'est une tablette d'écriture LCD portable qui permettra d'être rangée. Et puis ça peut aussi être bien pratique à emmener dans des endroits où c'est pas très, on va dire, pratique d'emmener ses crayons, ses stylos, ses feuilles au restaurant, dans l'avion, dans la voiture, etc. en sortie. Donc ce modèle Delsi est assez bien noté également, 4,3 étoiles, mais en tout cas c'est le plus populaire avec plus de 14 000 évaluations. Donc ça peut tout simplement être le meilleur choix. Si vous trouvez que c'est important le fait qu'il y ait beaucoup d'évaluations clients, là c'est celui qui en a le plus en tout cas, même si c'est pas le mieux noté en soi. Et finalement ce sera, il me semble, le plus cher, mais bon voilà, vu que c'est à quelques euros, à 1 ou 2 euros près, c'est pas vraiment très important de se focaliser là-dessus. On a donc terminé avec ce top 3 comparatif, donc des meilleures tablettes de dessin LCD pour enfants qu'on peut retrouver sur le marché ou tablettes magiques. Si il y en a une qui vous intéresse, je vous ai mis, comme j'ai dit, tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo en fonction de l'ordre d'apparition des modèles à côté des petites étoiles. Au moins, en passant par ces liens, vous pourrez directement en commander une ou juste voir plus d'informations, voir les prix exactement, constater vous-même les évaluations clients, voir plus d'images, plus de détails, plus d'informations pour finaliser votre choix. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps à ce niveau. Si c'est le cas, eh bien aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à la prochaine. Allez, ciao!